Rosberg de la première Ivy Star Academy. Écoute, pour moi, c'est une belle occasion de rencontrer les nouveaux qui viennent faire des auditions. Ça me rappelle des souvenirs. Et moi, ça me rappelle comment j'ai vécu ça aussi avec les juges. Très timide. Mais je me suis dit, de toute façon, ils n'en verront pas le visage. Donc, j'étais moins gênée quand j'ai fait ma chanson. Finalement, ils m'ont revu. Oui, ils t'ont vu pas mal. Ouais. Moi, c'est Étienne Drapeau, l'Académie 2004. Et puis, c'est le fun là-dessus. Belle frénésie. Tout le monde est excité. Les participants sont juste derrière nous. Moi, je me souviens de ma première audition où je m'étais présenté là sans trop savoir c'était quoi. J'ai pas été pris, moi, la première année. Et là, j'ai vu ces gens-là à la télévision. Là, j'ai compris le concept. J'ai vu c'était quoi. Là, la deuxième année, j'ai dit là, ça, c'est mon année. J'étais confiant. J'ai dit cette année, prête. Avant de partir à ma mère. Là, chez nous, je l'ai dit à ma mère, cette année, maman, c'est mon année. Je vous jure qu'ils vont me prendre. J'étais arrivé confiant avec une bulle de confiance et d'énergie. J'ai fait ma chanson, puis finalement, ils m'ont choisi cette année-là. Donc, je souhaite bonne chance à tous les participants. Croyez en vous, puis croyez en vos rêves. C'est important. Regardez ce que ça donne. Les centaines.